Bonjour à tous, c'est Zerato31, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Et on va s'ouvrir le coffret Bataille de Légende, chapitre 1. Donc, j'avais déjà ouvert des coffrets Bataille de Légende, mais celui-là, ce qu'il a de différent, c'est une exclusivité Micromania. Donc, la boîte, elle n'est pas de la même couleur, là, elle est rouge, l'autre, elle est grise. Donc, après, sinon, c'est pareil, sauf que on a un dé exclusif qu'il n'y a pas dans les autres boîtes. Donc sinon après, deux boosters, une carte secrète rare promo. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, comme carte promo, on aura... Cybergriffe d'Amarpi. La voilà de plus près, très jolie. Vraiment très sympa. Et donc le dé exclusif avec le soldat du lustre noir. Donc, très sympa aussi. Hein. Et les deux boosters. Alors, nous avons Videur Cactus, Apparition, Lila, la magicienne Seigneur Lumière, Murène Blanche, Witch Red, Hérovision, Adoration, Hérovision, Démon de la Vanité, Minimum Ray, Hérovision. Alors, en ultra rare, on a Yubel, Cauchemar Ultime. Ensuite, pour les ultras, avec le titre argenté, on a Malveillant, Héros de la Destinée et Éléphant Volant. Ensuite, Dragon d'Hibernation, Hangar Union, Cyber Eltanin, Homme Oiseau à l'éclat lumineux, Héros élémentaire, Guerrier Fossile, Roi Squelette, Kalantosa, Bête Mystique de la Forêt, et Guerrier Fossile, Monstre Squelette. Voilà pour le premier booster, on passe au deuxième booster. Alors, nous avons zone de dimension parallèle, tireur élastique grand vitesse roïde, dinolutteur pancracératops, poisonneur hérovision, zombie engrenage TG, garotte le guerrier seigneur lumière, lumina l'invocatrice seigneur lumière. En ultra, on a baleine aura blanche. En ultra, avec le titre argenté, on a Yubel. Et Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial. Très sympa. Ensuite, fusion de la destinée. Denier, héros de la destinée. Dragon fossile, tyrannosquelette. Dragon fossile Skullgar, héros vivant, les dossiers Kaiju, diagramme dragonique, et pour finir, prisme héros élémentaire. Donc, en résumé, pour les ultra classiques, on aura eu baleine aura blanche et Yubel cauchemar ultime, et pour les ultra avec le titre argenté, on a eu Trishula, le dragon de l'emprisonnement glacial, Yubel, malveillant héros de la destinée et éléphant volant. Sans oublier la carte secrète rare de Cybergriffe d'Amarpi,
et le dé exclusif de Soldat du Lustre Noir. Voilà, c'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter et partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt.